t'as toujours pas réussi à impressionner ton date, je te propose de lui faire découvrir le rapport entre Venom, un Jedi, et toi, tout en parlant du microbiote. Je t'explique les bails en deux temps. À l'extérieur de toi, il y a des trucs grands qui vivent, genre ça. Et à l'intérieur de toi, il y a des trucs petits, comme des virus, des bactéries, des champignons, bref, des micro-organismes. Quand on étudie le microbiote, c'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans un même endroit, on appelle cet environnement un microbiome. Où peut-on les trouver ? Un peu partout, mais particulièrement au niveau des membranes qui sont en continuité avec la peau et qui tapissent les cavités intérieures du corps, c'est ce qu'on appelle les muqueuses. Pour chacune, il y a un microbiome spécifique. Donc les narines, la bouche, les poumons, l'intestin, les organes génitaux, tous ça abrite des véritables colonies de micro-organismes. Pour info, notre tube digestif regroupe 100 000 milliards de bactéries et le microbiote intestinal pèse à lui seul près de 1,5 kg chez un adulte. Il y aurait autant de bactéries dans le corps humain que de cellules humaines. Alors quand la prof de philo te dira « connais-toi toi-même », tu pourras répondre « il faut aussi connaître le microbiome ». Dans un temps ancien et reculé, avant les années 2000, le microbiote était plus connu sous le nom de flore, intestinale, vaginale, pulmonaire, etc. Aujourd'hui, il y a un renouveau de l'intérêt autour du microbiote, car les chercheurs se sont aperçus que beaucoup de pathologies sont liées à son équilibre. À partir d'un échantillon, on peut réaliser le séquençage des génomes du microbiote et ainsi identifier et classifier les micro-organismes qui le composent. En fonction du niveau de précision qu'on veut avoir sur l'échantillon, on peut faire différents types de séquençage. En associant des analyses de métabolomique et de protéomique, on peut connaître plus précisément la fonction des différentes bactéries. Bon, on a compris, notre microbiote est composé de très nombreux types de micro-organismes, mais Elisabeth, d'où il vient ce microbiote? Au moment de l'accouchement, le bébé va acquérir le microbiote vaginal de sa maman. S'il y a une césarienne, les muqueuses du bébé seront plutôt colonisées par les micro-organismes présents dans l'environnement. L'allaitement maternel apporte aussi son lot de bactéries. Le microbiote se constitue principalement pendant la première année de vie et jusqu'à l'âge de 3 ans. C'est une étape cruciale qui façonne le système immunitaire. Ensuite, au cours de la vie, l'alimentation, l'environnement, les antibiotiques jouent un rôle important dans son équilibre. Ah oui, parce qu'on n'a pas encore parlé de comment ça fonctionne tout ça, ni du rapport avec un Jedi, Venom ou ton date. Eh ben on voit ça en deux-deux, la prochaine fois.